Le Stade Bollard en ébullition ce soir. Le Racing Club de Lens reçoit le FC Séville pour cette dernière journée de la Ligue des Champions. Dans ce groupe B, Lensois et Sévillans sont éliminés de cette compétition. Mais l'enjeu est de taille ce mardi soir, dans la mesure que cette rencontre va décerner le dernier billet pour une qualification en Europa League. Messieurs les joueurs lensois, vous jouez gros, très gros. Ce soir, vous jouez votre avenir, votre futur européen. C'est la Champions League, mesdames, messieurs. Dernière chance, dernière opportunité, dernière occasion de continuer à jouer l'Europe ce soir pour les 100 et or. On va regarder la composition concoctée par Frank Hens. Et dans les buts, on retrouvera le capitaine Brice Samba avec une défense à 3. Medina, Danso, Grady, Mendy et Abdoul Samed en milieu récupérateur. Frankowski et Ruben Aguilar en piston. Et Angelo Fulgini, Florian Sotoka en soutien d'Eli Wai. On va regarder maintenant la composition concoctée par l'Uruguayen Diego Alonso. Et dans les buts, on retrouvera le Serbe Marko Mitrovic avec une défense à 4. Kike Salas, Sergio Ramos, Guedj et Juan Luis Sanchez. Trois milieux de terrain, Ivan Rakitic, Johan Jordan et Djibril Sow. Et devant, on trouvera Dadi Luque Bakio, l'international belge, Youssef En-Nesyri, l'international marocain, et Lucas Ocampos, l'international argentin. Et c'est parti pour cette sixième journée de ce groupe B dans cette Champions League entre le Racing Club de Lens et le FC Séville. Un petit match nul suffit pour les nordistes pour s'assurer d'être renversés en Europa League. Facundo Medina directement sur Salas. Luque Bakio, l'international belge, il a prolongé à Youssef En-Nesyri, le marocain, dans l'axe pour Djibril Sow, l'international suisse. Pour Sanchez. Et bien pris là, par les Lensois avec Frankowski qui a récupéré le ballon. Là, dans son aile gauche, là, Frankowski qui prend de la vitesse. Il va peut-être pouvoir centrer le Polonais au premier poteau pour Eli Wai, pour Sotoka! La frappe de Florian Sotoka sur ce centre millimétré d'Eli Wai, signé du Narbonnais. Florian Sotoka, un but à zéro pour le Racing Club de Lens. Le Stade Bollard est debout! Un but à zéro, incroyable, fantastique! Superbe, cette petite roulette de Eli Wai qui prolonge ce ballon pour Florian Sotoka, pied gauche. Il met juste son pied en opposition pour croiser sa frappe et tromper l'international serbe, Marko Mitrovic. Eh ben, ça pouvait pas mieux commencer hein, pour les hommes de Frank Hens ce soir. Florian Sotoka qui va décaler à Ruben Aguilar qui revient en soutien sur Jonathan Grady pour Kevin Danso. Ruben Aguilar, Florian Sotoka, Eli Wai, Ruben Aguilar, Eli Wai, Eli Wai qui va retrouver Angelo Fulgini qui revient sur Abdoul Samed qui va retrouver Fulgini qui va décaler Eli Wai. Pour Florian Sotoka, mauvais choix là de Florian Sotoka, on va pas lui en vouloir. Luque Bakio, Jordan, Sanchez. Sanchez, et il est contré, il est contré, il n'avait pas de solution là. Sanchez, Florian Sotoka qui va décaler Ruben Aguilar. Ruben Aguilar toujours, ah superbe là, Ruben Aguilar, l'ancien monégasque en retrait pour Florian Sotoka, pour Mendy, le Sénégalais, pour Eli Wai qui peut pas frapper. Ah ouais, il avait pas de solution là, Eli Wai. Et ça va être récupéré par les Sévillans. Lucas Ocampos, l'Argentin.
pour Youssef El-Nesseri directement sur Frankowski, qui va redonner à son capitaine Brice Samba, qui va allonger loin devant. Superbe, superbe, là, ce ballon de Brice Samba pour Ruben Aguilar, qui va retrouver Florian Sotoka et Iliwayi. Salis Abdoul-Samed, le Ghanéen. Côté gauche pour Frankowski face à Sanchez. Frankowski, le centre, directement sur Mendy. Et oui, oui, mais il y avait, il me semble, un hors-jeu. Où, ouais, non, il y avait une petite faute. Il y avait une faute et ça va donner un mini corner pour les Lensois. 23e minute de jeu. Allez, se mettre à l'abri, là, se mettre à l'abri, s'appliquer, là, Frankowski. Frankowski pour tirer ce coup franc, la sortie de Marko Nitrović, sans problème. Et cette équipe sévillane, hein, en très très grande difficulté, que ce soit en Liga ou en Champions League, 16e de la Liga. Et aucune victoire dans ce groupe B. Attention, attention à Lucas Ocampos, il a pu déborder l'Argentin. Le centre, heureusement qu'il rate complètement son centre. Là, Lucas Ocampos. Et Brice Samba peut se saisir de ce ballon et il va longer loin devant. Mais c'est récupéré par les hommes de Diego Alonso. Lucas Ocampos. Et attention, attention, parce qu'ils ont une grosse expérience européenne. Hein. Les Espagnols. 7 fois vainqueur de l'Europa League dans leur histoire. Ah, ça va, c'est un coup franc pour les nordistes. Et Facundo Medina qui prend son temps, cette bonne guerre. Frankowski, Kevin Danso. Dans l'axe pour Abdoul-Samed qui revient sur Jonathan Grady. Abdoul-Samed pour Mendy. Mendy qui prolonge à Fulgini, qui essaye de se retourner mais va perdre le ballon là. Angelo Fulgini. Sanchez. Lucas Ocampos. Est bien pris là par Frankowski. Lucas Ocampos et Frankowski là qui peut prendre de la vitesse. Non, il préfère attendre du soutien mais il va perdre le ballon là. Le Polonais Lucas Ocampos qui talonne sur Sanchez. Attention ce ballon, attention, attention, attention. Et, superbe, superbe là, Facundo Medina qui est bien revenu sur son compatriote Lucas Ocampos. Il a peut-être une bonne attaque là pour les Sorayors avec Mendy. La frappe de Mendy, ça revient sur Florian Sotoka qui était tout proche d'un doublé, Florian Sotoka. Mais il a fallu une parade exceptionnelle de Marko Mitrović pour éviter le deuxième but du Racing Club de Lens. Ruben Aguilar pour tirer ce corner. Ruben Aguilar pour la tête de Fulgini. La parade superbe de Marko Mitrović. Alors c'est c'était Kevin Danso, hein, l'international autrichien, qui avait pris le dessus sur la défense centrale sévillane. Nouveau corner pour les Sorayors. Kevin Danso, Mendy. Kevin Danso, Kevin Danso qui fait parler sa puissance, qui va décaler Mendy, Mendy qui talonne sur Frankowski, petit passement de jambe du Polonais, la frappe. Signé Iliwayi pour le deuxième but du Racing Club de Lens dans un stade Bollard qui exulte, qui éclate de joie après ce deuxième but, peut-être synonyme de qualification en Europa League. Cette frappe du pied gauche qui vient fuir les bras de Marko Mitrović qui est trop court. 2-0 pour le Racing Club de Lens face au FC Séville. Fantastique, fantastique, quelle ambiance ici au stade Bollard. Parce que ce deuxième but juste avant la pause va faire extrêmement du bien là aux hommes de Frankens, puisque l'arbitre siffle là-dessus. Cette mi-temps sur ce score de 2-0
sous les yeux d'un public, d'un peuple lensois, ravi pour l'instant de ce résultat. On se retrouve pour la deuxième période. Allez, on se retrouve pour cette seconde période, pour cette sixième journée de cette Champions League entre le Racing Club de Lens et le FC Séville. Et les Lensois, pour le moment, font le taf, font le boulot, puisqu'ils mènent 2-0. Attention, 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 Kevin Danso, heureusement, il avait bien anticipé. Florian Sotoka, Abdoul Samed, Mendy, Salis Abdoul Samed qui prolonge à Eli Wahi pour Angelo Fulgini. Eli Wahi. Et qui va perdre le ballon. Attention, attention, Ivan Rakitic, mais que dit l'arbitre là? Il a vu quelque chose, oui, il a vu une faute espagnole. Et c'est Frankowski qui pose ce ballon. S'appliquer, là, s'appliquer. Frankowski pour Kevin Danso dans l'axe, pour Eli Wahi qui va rejouer côté gauche sur Angelo Fulgini. La frappe d'Angelo Fulgini, il n'a pas pu garder ce ballon dans ses bras là, Dmitrovic. Mais en deux temps, en deux temps. Attention, attention, Lucas Ocampos. Oui, qui s'est emmené ce ballon de la main là, l'Argentin. Et changement du côté du FC Séville. Sanchez va sortir pour l'entrée en jeu du Brésilien Marcao. Facundo Medina. Il va jouer long. Oh, superbe transversal pour Angelo Fulgini qui revient en retrait sur Frankowski face à Marcao. Frankowski. Frankowski qui talonne magnifiquement là sur Angelo Fulgini. Le centre! Voilà, là, Florian Sotoka n'a pas pu prendre ce ballon de la tête, mais il était bien centré, hein. Ce centre de Fulgini. Mais c'est pas fini pour les 100 et or avec Fulgini toujours. Fulgini qui arrive à se retourner, qui va rentrer dans la surface d'opération. La frappe a roulé! Et la parade en deux temps de l'international serbe Marko Dmitrovic qui va dégager loin. Ah, ça serait bien qu'ils mettent ce troisième but là, les nordistes. Fulgini dans la axe pour Abdoul Samed. Cette frappe du Ghanéen, mais directement dans les bras de Dmitrovic. Lucas Ocampos, attention, se tacle par derrière. L'arbitre laisse jouer l'avantage. Rakitic qui va décaler l'international belge, Luke Bakio. Attention, ne pas le laisser prendre de la vitesse. Ce joueur, il revient derrière sur Salas. Salas qui est obligé de revenir derrière, c'est bien joué. Sergio Ramos, attention, attention, Sergio Ramos pour Ivan Rakitic. Djibril Sow, l'international suisse qui réalise une mauvaise passe. Peut-être le contre là pour les hommes de Frankens avec Eli Wahi. Qui va décaler Florian Sotoka qui revient en retrait sur Abdoul Samed qui rejoue sur le Narbonnais. Florian Sotoka. Florian Sotoka, et en deux temps, Florian Sotoka, Ruben Aguilar, il a de l'espace, il a un boulevard, Ruben Aguilar, au premier poteau pour Eli Wahi, la frappe enchaînée de Eli Wahi, mais pas assez croisée cette frappe pour inquiéter Marko Dmitrovic. Rakitic, Youssef El-Nesseri, le Marocain, qui rejoue sur Djibril Sow, qui prolonge à Ivan Rakitic, qui talonne sur Luke Bakio. Djibril Sow pour Ivan Rakitic. Oh là là, cette frappe du Croate là qui rase le montant de Brice Samba et carton jaune là pour Angelo Fulgini pour la faute de tout à l'heure. Ouais ouais, cette ce tacle pardon par derrière de Angelo Fulgini sur Lucas Ocampos. Et Jordan qui va laisser sa place à Torres du côté des hommes de Diego Alonso. Facundo Medina, Diouf qui est rentré pour la formation de Frankens. Jonathan Grady, Jonathan Grady, attention, attention, ne pas s'enflammer là, Jonathan Grady. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est récupéré par les Lensois. Eli Wahi, oh, petit crochet de Eli Wahi face à Dmitrovic, l'extérieur du pied, le troisième but qui clôt définitivement la qualification en Europa League pour les 100 et or, signé Eli Wahi. 3-0 pour le Racing Club de Lens face au FC Séville. Au revoir. Ah, il n'a pas tremblé, il n'a pas tremblé là. L'ancien attaquant de Montpellier.
Cette fois, le Stade Bollaert est debout et chante dans ce superbe écrin qui est le Stade Bollaert. Djibrizo, il reste un quart d'heure à jouer. Mais la formation de Frank Hens a fait le nécessaire ce soir pour s'assurer un avenir européen. Djibrizo, En-Nesyri, la frappe de l'international marocain, mais il était vigilant, Brice Samba, le capitaine sans et or. Et Angelo Fulgini va laisser sa place à Wesley Saïd pour ses 10 dernières minutes. Ivan Rakitic pour tirer ce corner, Sevilla pour Torres. Torres face à Abdoul Samedi, il passe. Attention, cette frappe, et ouais, mais il y a une main, il y a une main. L'arbitre l'a vu de Ruben Aguilar et ça va être pénalty pour les Espagnols. On va revoir ça. Il y a main. Il n'y a rien à redire. Et ça va être un pénalty pour les hommes de Diego Alonso. Et c'est Ivan Rakitic, l'international croate, qui s'élance. C'est contre-pied parfait pour tromper Brice Samba et revenir à 3 buts à 1. Bon, pour le moment, il n'y a pas danger. Il n'y a pas danger pour le moment, mais attention. Attention quand même. On revoit ce pénalty du Croate. Extrêmement bien tiré. Contre-pied parfait. Allez, maintenant, il faut garder le ballon, là. Et non, ouais, attention. Djibrizo qui prolonge à Youssef En-Nesyri, qui va retrouver Luke Bakio, le Belge, là, qui est face à Ruben Aguilar. Lube Kakio, attention, ne pas le laisser centrer. Superbe Ruben Aguilar qui peut rejouer sur Florian Sotoka. Jonathan Grady qui va prolonger à Ruben Aguilar. Qui va redonner à Florian Sotoka, Ruben Aguilar. Voilà, maintenant il faut faire tourner. Il faut faire tourner là. Les 100 et or. Parce que maintenant on va s'approcher du temps additionnel. Et ne pas laisser espérer cette équipe sévillane. Jonathan Grady, attention, cette relance directement sur le Marocain. Youssef En-Nesyri dans l'axe pour Torres. La frappe de Torres, la main ferme de Brice Samba. Heureusement. Aïe. Ils aiment se faire peur. Là, les Lensois, Eliway qui va sortir à la place de Adrien Thomasson, le franco-croate. Luke Bakio pour tirer ce corner. Luke Bakio, c'est bon, c'est écarté là par la défense lensoise, mais ça va revenir pour les Lensois avec Luke Bakio. Il est passé, Luke Bakio, ne pas le laisser centrer. Luke Bakio dans la surface d'opération en retrait pour Djibrizo, pour Rakitic, la frappe derrière de En-Nesyri qui est contrée, heureusement, Frankowski. Et c'est terminé sur cette victoire nette du Racing Club de Lens qui a gagner son billet en Europa League grâce à cette victoire très importante pour le club lensois. 3-0. Le clapping devant les supporters lensois. Merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt.